Bonjour VOD. Live matinal, il y a de la lumière, incroyable. Et on est sur Hogwarts Legacy. On est avec des petits foufous qui nous donnent bien envie de faire du Quidditch alors qu'on sait qu'on pourra pas en faire. Et on vient de terminer une petite quête secondaire. Bon, j'avais oublié de lancer la VOD avant, mais c'est pas grave. Qui nous a donné un jeton, des jetons de maison. Jetons qui apparemment nous permettront d'ouvrir des coffres propres à chaque, enfin à nos maisons. Donc coffre serpentard. Oh, la lumière, je m'occupe un petit peu. La lumière là. Ah le voilà. Ah mais oui, c'est vrai qu'il avait une tronche différente. Il ne me reste plus qu'à insérer le jeton. Mais oui, insère ton jeton. Trouver d'autres jetons si je veux l'ouvrir. On dirait qu'il en faut un certain nombre. Oh, il en faut 48. D'accord. D'accord. Je vais voir s'il y a Billy Bob le poulpe. Oh, c'est si beau. Non, en fait, la salle comme une serpentarde, elle déchire. As fuck. J'aime trop. Et si je fais ça, je contrôle les poissons. Oh, mais je devrais faire ça au-dessus du lac. Quand je suis à l'extérieur. Pour peut-être se passer des trucs. Perso, je suis dû en week-end, ouais. Ça c'est bien aussi. Mais t'as pas dormi, tu devrais te reposer un peu. T'as pas l'ambiance du château? Ouais, l'ambiance est vraiment très, très agréable. Toutes les petites pièces, c'est agréable à visiter. Bah, la découverte de la salle commune de ma maison, c'est-à-dire les serpentards, franchement, c'était cool de me rendre compte que j'étais sous le lac. Est-ce que vous allez voir le poulpe? Parce que c'est, je sais pas quand est-ce qu'il pop, s'il faut rester longtemps devant la fenêtre ou si c'est aléatoire. Mais du coup, on voit les tentacules du poulpe. Du kraken. Petite sauvegarde auto. Malheureusement, on peut pas plonger dans le jeu. En tout cas, là, au stade où je suis, mais je pense qu'on pourra pas. Ça se voit qu'ils ont pas vraiment développé les fonds marins. Mais c'est un truc qui aurait été stylé. Tenter de spam la vitre. Ouais, mais spam, ça veut dire quoi? C'est ça? Oh! Elle me dit de me calmer! Je sais pas si c'était du spam ou pas. Ok. Oh, trop cool, trop cool. Pas tout le temps, visiblement. Ouais, peut-être que tu veux pas le spam vraiment, vraiment. Belle tentacule. Mais on les voit même en faisant d'autres trucs. Enfin, je sais pas ce que j'avais fait qu'il avait fait apparaître. Mais il y avait une tentacule qui bougeait comme ça devant la fenêtre de manière stylax. C'est peut-être avec le Lumos. Mais bon, vous avez vu le tentacule. Et on peut les voir, oui je dis une, mais c'est masculin tentacule. On peut aussi voir le kraken un peu, quand on voit le lac de l'extérieur, on voit des fois, de temps en temps, les tentacules qui sortent de l'eau, qui bougent et tout. Et du coup j'ai eu un petit message, enfin pas un petit message, mais j'ai eu un point d'intérêt, on va dire, au niveau du lac, disant que c'était un kraken sympa et qu'il adorait les bouts de pain. Voilà. Bah, ce sera pas pour aujourd'hui. Vous avez vu quand même un tentacule. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, les petits jeux comme ça, malheureusement, on peut pas jouer. C'est dommage. Ça aurait été cool. Quand on voit des... Peut-être qu'on pourra plus tard. Trouver les jetons restants dans Poudlard, on verra ça plus tard aussi. C'est cool, ça c'est fait. On va faire de la quête principale. Je vais regarder un peu mon inventaire. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du pinglier. Donc ça c'est bien. Ça c'est un objet de quête. Je sais pas à quoi elle est liée, cette truc. Prix d'excellence en botanique. Mais pourquoi je l'ai alors qu'il n'est pas remis pour moi? Pourquoi je l'ai pris, le prix d'excellence en botanique? Parce que c'est. J'étais à une prof en fait.
Équipement. Est-ce que j'ai des nouveaux équipements? Non. Non, moi je voudrais des nouvelles lunettes. Enfin, une nouvelle transmo de lunettes. Et du coup, on va bouger et on va aller faire la quête principale. Enfin, griller. J'en ai mangé juste avant de lancer le live et c'était bien. Il faudra que je fasse les joutes magiques, l'entraînement au sort. Mais j'aimerais bien débloquer les talents parce que je vois qu'il y a un onglet talent bien grisé. Il y a aussi l'onglet chambre sur demande bien grisé aussi. Et c'est ce qui me permettrait de crafter mes propres potions et mes trucs facilement. Donc ça que j'aimerais bien débloquer quand même. Et je crois qu'en plus on peut les décorer comme on veut parce que j'ai eu plusieurs éléments de déco. Voilà, voilà une des chambres, elles sont toutes pareilles, hein, mais comme ça vous voyez un peu à quoi elles ressemblent. Et franchement, c'est joli. C'est très joli. Avec cette ambiance un petit peu trop glaudite, légèrement, où on a l'impression que c'est des chambres taillées dans la roche. L'ambiance est vraiment cool. Je pensais pas du tout que c'était si aussi délicat. Chez Serpentard, je me suis dit qu'il y aura des écailles partout, pas de lumière et tout. Ben c'est beaucoup plus délicat et soft. Avec voilà des trucs en rapport avec les sirènes et tout. Et je viens de faire tomber un truc. Et je suis sûre qu'on verra des sirènes ou qu'on aura une quête avec des sirènes. Mais me disais pas. Mouah! Examinez la grotte. Attends, c'est quoi la quête principale? Attendez, je... c'est quoi la quête principale? Ah, je vais aller voir Scrop alors. C'est ça ma quête principale? C'est pas les devoirs? Ah ouais, non, c'est ça ma quête principale. Bon, bah on va la faire. Et après, on fera la petite quête secondaire, mais... mais du coup, faut que je descende. Donc c'est pas bon si je passe par là, si? Le jeu il me dit que c'est bon par là. Le jeu il me dit Nawak de toute façon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce trou bizarre ici? Ah je sais pas. Oh y a des trucs. Vélio. C'est beau ça. Je peux le casser. Non fais pas ça Lox. Y'a Peeves. J'aime bien Peeves, c'est mon bro. Bon, il m'a poucaf comme une sale race, mais sinon, c'est mon bro. Rébellion. Ce serait pas l'entrée des Poufsouffles par là, en vrai. On est au niveau de la bouffe, là. Hein. On est complètement chez les Poufsouffles, là. Ça pouffe des souffles, ici, hein. Et ça souffle des poufs. J'aimerais savoir à quoi ressemble la salle des poufsouffles. Tonneau de poufsouffles. Pour accéder à la salle commune. Ah non, c'est derrière les tonneaux. Vous devez tapoter le deuxième tonneau en partant du bas au milieu de la deuxième rangée au rythme de Edgar Poufsouffle. À la moindre erreur, l'accès vous sera refusé et vous recevrez un jet de vinaigre. Pardon. Ouais, on m'avait dit que c'était dans le garde-manger slash cellier slash machin. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'on a vu là-haut? J'entends les dingues, hein. J'entends. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été inclus. Ouais, ouais. Ah, c'est lié à ça. J'ai vu cette rivière, c'est assez sympa. Faudrait que je vois, ok, une petite, que je trouve une capture d'écran ou je sais pas quoi, parce que c'est vrai que j'ai aucune idée d'à quoi ressemblent les autres salles, sauf les Gryffondors, parce que les lèvres que j'ai vues, c'était des Gryffondors. Voilà. Les 100 personnalités, quoi. Alors, c'est quoi? Montre-moi. C'est bien, en plus, je suis super en forme pour compter. Faut que ça fasse 6. Donc il faut 2. Du coup, ça fait 1, 2. Du coup, ça, c'est ça. 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7. Attends. Ouais, c'est ça.
C'est le crabe. Enfin, je sais pas si c'est un crabe, je sais pas ce que c'est. En vrai, si tu prends vos souffles, tu as une quête. Pour faire la sieste, une pour manger. Un truc générique à la fin. Tu demandes pas à un pouf souffle de sauver le monde. Mais les pouf souffles, ils ont au moins des... voilà, ils ont des besoins simples. Et c'est bien de voilà, c'est bien aussi de faire autre chose que sauver le monde. Parfois, il faut juste savoir se faire le goûter. Et une sieste. J'avoue que... Je sais pas à quoi correspondra ma quête serpentarde. L'architecte de Poudlard, représenté ici entouré des mascottes et des quatre maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle. Rowena, je sais pas. Il est donc à l'origine du plan au sol en constant changement. Incroyable, c'est incre. Attention, Wingardium! Bonsoir. Ah! La porte m'a poussé le cul. Des gants arrivés bleus céréliens. Ils sont jolis. Et de la lumière. J'ai looté de la lumière. Inutile vu que j'en suis une. Rébellion. Évidemment. Passage vers Honeydux. C'est quoi déjà? Caché derrière la statue d'une sorcière bonne, un passage secret relie Poudlard au sous-sol de la confiserie Honeydux. Ah mais c'est oui, c'est la confiserie, on y allait. Ne peut pas être révélé qu'à... Il ne peut être révélé qu'à l'aide d'un sortilège particulier. Punaise, on a un passage qui nous emmène jusqu'à une boutique de bonbons. Les gens à Poudlard ont littéralement 8 ans. Passion du loot, oui. Tout ça fait. Quête principale, j'avais dit. Hein. On se concentre sur la quête principale toujours. On se concentre à fond, là. Oui. Ça, j'avais regardé déjà, là-bas, des trucs. Oh, mais salut, toi. Lumos. Il y en a qui va s'en prendre une. Non, ça va. Non, parce que les armures, elles sont chafouines, parfois. Je crois que j'ai pas vu, mais c'est la salle du banquet, ça. On verra quand on y sera. Allez, quête principale. On y va. Ah par contre j'ai une quête secondaire, là on va la prendre. Salut. Ouais, il y a ma clé. Salut Garrett. Non. Elle est où la clé? Je vais faire quoi? Bon déjà je fais ça. Oh mais la clé j'ai pas vu. Elle est là. Coucou petite folle. C'est X? Non c'est A. Elle m'a saoulé. C'est pour lui rappeler qu'on avait pas que ça à foutre. Oh mince, là j'ai raté. Elle s'en reprend une. Ok. I've got DJ Toons. Quête principale. Ah non, Garrett. Mais voilà, mais il est parti Garrett. Parti Garrett. Salut, c'est moi, Garrett. Il y en a un qui livre de la musique, qui lit de la musique. Non, il lit les insectes. C'est quoi? Pardon, Garrett, qu'est-ce que tu veux? Je sais plus qui c'est. C'est un cours intéressant. Tu m'as appelé, Garrett? Ouais, plutôt ça va. Tu m'as appelé? Pourquoi notre personnage est toujours comme ça? Ça m'énerve. Je fais une méchante. Cours de potion. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Non. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbees. Mais il me manque un ingrédient clé. Ouais, tu veux pas étudier? Comment tu peux trouver le temps de faire tout ça et tes devoirs? Devoirs que je ne fais jamais? Cette année, je m'en sors très bien. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbees, ce sont les dards de Billywig séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honeyduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeyduc et me récupérer des dards de Billywig séchés. Il est devenu Charlie avec chocolaterie. Je dirais plutôt le chapelier fou. Un passage secret?
C'est mon domaine. Ça, j'aime bien ça. On a toujours besoin d'un passage pour sortir rapidement du château. Magnifique, merci. Mais tu devrais savoir. Par contre, tu vas raquer quand je t'aurai apporté les trucs, hein. Pour son côté secret. Je vais te faire raquer un max. La statue d'une sorcière borgne dans le couloir du troisième étage. Touche-la avec ta baguette et dis Dissendium. On ne pourrait pas les acheter, mais oui. Elle offre un alou. Ils ne sont pas à vendre. Et puis, on ne sait jamais quand la cave est verrouillée. Alors, le seul moyen d'y entrer en toute sécurité, c'est par l'entrée secrète. Oui, non, mais d'accord, oui, pour faire un vol. Mais effectivement, tu peux pas les acheter, quoi. Espèce de rapia, là. Tu me demandes de voler dans une boutique? Juste ciel. Je ne te demande pas de dévaliser Gringotts. Juste ciel. On a déjà bien assez. Il m'en faut juste quelques-uns. Je suis choquée. C'est un ingrédient de confiserie. Ils s'en apercevront même pas, crois-moi. Tu me l'as déjà mise à l'envers. Hein. Je vais voir ce que je peux faire, gars. Lui, je vais l'aider. Mais si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Ah mais oui, c'est lui, c'est Garrett Weasley. C'est un Weasley, lui. Mais oui, j'ai même pas fait gaffe. T'es bien reposé? Absolument pas. On se reposera plus tard, fais une petite sieste après-midi. Ce soir, normalement, c'est Candide. Hein. Enfin, normalement, en fait, j'en sais rien, mon frère m'a pas répondu. La statue de la sorcière borne. Est-ce qu'on fait ça maintenant, en vrai? Non. Non, je vais aller voir... Non, je vais aller voir Toby. Est-ce que c'est beau en bleu? Pas du tout dans mon style. Ils ont un côté classe. Mais moi là en ce moment je suis swag, swag chelou mais swag quand même. Peut-être que ça le ferait mieux. Ça fait barou 2 ans. Oh, mais ça c'est trop métal, j'avais pas vu, j'adore. Oh, comme je garde. Trop métal. Ouais. Quête. Truc sucré. Je peux gagner de la thune et de créateur d'invocation. Oh. Ah ouais, c'est bien. Ça va être bien, ça. Bon. Niveau 5, et ça, c'est... Ça me dit pas. Ah, mais niveau 5. Ah oui, niveau 5, Rocky, je suis niveau 15, je crois. Non, 13. Je vais faire ça d'abord, parce que j'avance pas au bon rythme, je pense. Même si... Et après, on va faire full quête secondaire, mais là, un petit peu de quête principale. J'aimerais bien débloquer les talents. Lux love good. Lux good enough. Non, je suis Luximor. Et toi, Fernalou, t'es bien reposé? On fait pas ça! Bande de fous! Je vais vous cramer. Ils sont malades! J'aime bien être le personnage qui part en hurlant et en cramant tout. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ce sera mon petit truc à moi. Être la meuf qui part en hurlant et en criant et en cramant tout. C'est ma personnalité. Ah, oh putain, ça va chier, j'ai tout cramé. Pardon. Oui. Est-ce qu'il y a le Kraken? Faut que j'aille sur l'île là-bas. Vous voyez qu'elle est là-bas. Là. J'y aille. Je suis pas allée. Où ça? Faut que j'aille là-bas aussi. Ça fait un effet de lumière sur toutes les parois. Ah ouais, mais faut que j'aille de fou. Mais moi, j'aimerais bien avoir des... je sais pas. Un petit canoë. Un petit... Kilo classe, sinon. Tout comme ça, quoi. Ah, mais j'avais un TP ici. Il y a rien dans l'eau, là, à choper. Ça doit être aléatoire. Je suis dégoûtée d'avoir manqué un objet la dernière fois, parce que depuis, j'en ai plus jamais retrouvé. Voilà. Salut, Cyril! C'est au pastis! Toi, t'as refait ton compte, toi. Le pseudo me dit quelque chose. Mais il était pas écrit avec un million de majuscules. C'est le killer.
ce que tu as pris ce matin, mais ça a dû être bon. J'ai pris une nuit blanche. Voilà. En réunion. Ah ouais. Ouais, là franchement, il y a excuse. Alors, où que c'est-y, là te gros. Quel plaisir de vous revoir. Je suis dormi dans mon canapé comme d'hab. Et tu te réveilles après et tu vas te coucher ou tu fais toute la nuit sur le canapé? Que ça doit faire mal au dos. Mais attendez, je fais quoi là? Ah non, il faut que j'aille en agent. Mais attendez. On va bien me proposer une petite barque quand même. Je veux pas mouiller mes fringues, moi. Ah non, il me dit, va dans l'eau. Ok, bah je vais faire un plongeon alors. Ouais! Tout pourri le plongeon, j'ai fait un i. Attendez, on va en faire un mieux. Attention. Ah, y'a rien ici? Non. Pas un endroit où on est trop censé aller, je crois, puisque j'ai l'impression que j'ai un mur invisible. Oui! Tout pourri. Tout pourri. Mais la grotte... Ah, mais ça va être une grotte sous-marine, mais j'en ai déjà eu. Mais pareil, mais ça me fait pas le même effet. À moi, quand je dors, j'ai la pêche. Et après, d'un coup, ça tombe un peu. Quand je dors pas, je veux dire. Mais par contre, voilà, je trouve pas mes mots. Je lis mal. J'écris mal. Je ne suis pas matinale. J'ai mal. Alors, let's go. Gants de duel de mage noir. Oh, ils ont l'air sympas. Sympatoche. Il y a des canards. Vous entendez? Révèle-toi, le canard. Il se tait. Même les canards, ils m'aiment pas. Je vais tomber. J'ai pris des dégâts? Ouais, des petits dégâts de chute, mais ça a l'air d'être léger. Pas 4-7 heures dans mon lit. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Mais je sais, mon erreur, c'est que je saute. Je crois que si j'avance en courant, ça fait un saut à mon perso. Attendez. Voilà. C'est un peu pourrave, mais voilà. Bon, on nage. On verra peut-être le kraken. Hein. Il me fait trop kraken. Il était... Là, quand je l'ai vu, il était genre... un peu en face de nous, vers le milieu, là. Vous voyez là où il y a le reflet? Bah, il était là-bas. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas. Il finit mon thé? Non, dommage, il est dégueu. Nul le thé. Je voulais pas louper le nouveau clip de Linkin Park. Même s'il a duré 2 minutes. A été diffusé en direct, tout ça. J'y vais en nageant, quoi. J'y vais en nageant, j'ai même pas de maillot. Ah merde, il y en a plusieurs. Oh non, ils sont plusieurs, ça c'est chiant. Toi, je t'éclate. Ok. Et demain. Ils sont durs ceux-là. Ah, ça leur fait rien. Dans la flotte. Ah non, mais ils sont 12. Vas-y, je me tire. Ah, j'ai dit je me tire. Ah, il va me taper. Mais bordel, nage plus vite! Je peux pas me soigner dans l'eau, c'est affreux. Mais en plus, elle se traîne le derche!
cette grotte. J'y suis là. Dis-moi où j'entre. Oh, le jeu. Okay. Non, rien à foutre. Allez là. Oh. Oh, dis donc. Mais c'est charmant. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Parce que c'est la porte au pain grillé. Elle est gourmande. Y a pas des parcs dans le jeu? Bah si, mais je peux pas y utiliser. T'as plein d'aide sur les mobs. Ouais. Je vais regarder pour eux et puis j'ai oublié. J'aime bien avec mes yeux de dragon là, ça fait genre malicieux. Oh, il était bizarre l'effet. On te m'en fout. Incroyable! Nous sommes où? Nous sommes où? Oh non, je voulais voir d'autres trucs. Une visiteuse? Venue d'ailleuse. Oh. Où est-ce que je suis en fait? Dans une grotte. Nuit blanche pour toi? Oui, mais j'irai faire une sieste tout à l'heure. J'ai des élèves ici, comme vous. Il y a un siècle. Salut petit choucas. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? J'ai nagé. C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Oui, et j'ai nagé. Je trouverai un anneau de la famille Black ici. Ah. Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer à Polonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'avoue, je suis un peu gêné moi-même. Je dois vous demander de me les donner immédiatement. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte. Extrêmement logique, hein. Dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. T'es mort. J'ai une idée. Et si vous me... Bon, je vais mettre mon plaid. La lisière de la forêt interdite, pour que je vous emmène là où se trouvent les pages. Non. Il veut me noyer parce qu'il s'ennuie dans sa mort. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Le terme directement est important. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les... Donc à l'envers, ça fait cachou. Oh, c'est mignon le petit cachou. Voilà, je suis là. Je crois savoir comment vous êtes mort, mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Courant d'air, c'était la hache. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça, à Poudlard? Bah si! Si, moi je sais, hein! Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de... eh bien, de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous. Ok. Oh, du coup, la carte au trésor! Bon, maintenant on sait comment ça se passe, hein. Ok. Une carte. Elle ne semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Revelio. Trop sympa ce petit atelier là. Moi j'aime bien. Bah alors, t'es coincé? Incendio. J'ai coincé le cul.
ça peut arriver même en fantôme. Ce genre de choses arrive. Bon, les caillouteux là, faut qu'on regarde les caillouteux, faut qu'on regarde leur... Oh, leur sensiblerie. Un nouveau gant. Ils sont moins bien que mes miens. Mais je peux mettre la transfo. La transmo. Je vais garder cela. Non, non, mince, j'ai oublié ce que je voulais faire. Le nuit, s'est coincé, il arrive à se coincer alors que basiquement, il est même pas... il est même pas fait de matière, le nul. Quand tu te coinces alors que t'es pas fait de matière, c'est vraiment que t'es un nul. On va voir Scrop. Ah ouais, non, mais... Excusez-moi, je fais qu'oublier pourquoi je vais dans ce putain de menu. Je vais aller dans collection. Et dans créature. Oh. Mais c'est pas ça. Alors c'est monstre. Ennemi. Everything comes down to me. My enemy. Mais caillouteux, c'est quoi? Hmm. Super charge vulnérable au sort de force. Ah mais j'ai pas de sort de force. Oh, je crois. Oh, il y a du courant là, dis donc. Bon, attendez. Non, 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 mais avance, avance, meuf. Alors, rouge. Ah, alors feu, c'est force. C'est le seul que j'ai pour le moment. Ouais, ça, ils en ont rien à foutre. Je fais n'importe quoi. J'ai paniqué. Oh, merde, je panique. Je me protège, c'est Y. Let's go faire ça dans ta gueule. Ah non, je peux pas me protéger. Je suis dead. Je suis trop dead. Avoue que ce n'est pas une réussite. Ok. Monte là-dessus, toi. Non, parce que là, en fait, ils sont devant, c'est chiant. Ouais, ils sont pas là. Ils sont là. Il est sorti par la bite, celui-là. Walker, Texas Ranger. Merci. Merci, mamie, à toi. Il est là-bas, le caillouteux. Vous n'avez pas un autre? Rébellion. Oh, les caillouteux. Bon. J'aimerais bien les faire one by one. Oh non, il y en avait... Putain, je les vois pas. On voit R, hein. Ah! Ah, j'ai... Ah! Attends! Attends, j'ai... Merde. Ah bah là, je suis pas dans la merde, là. Attendez! S'il vous plaît. Je suis au pire... Ah oui, merci beaucoup, Fernanou. J'avoue, j'avais laissé en... en follow only. Je suis au pire endroit pour me battre. Faut vraiment que je me foute ailleurs. Mais brûle pas, ils étaient en décalé, ça m'a fait peur. Et si je faisais genre ça? Mais non, mais lance le mieux! Mais ça... C'était quoi ce lancer nulos là de petits bras nuls?
tombée dans la gigasauce. Attends. Non, il va me tuer. Allez, avance. Je t'en supplie. Ok. Ok. Non, je vais faire ça et ça. Allez, j'ai voulu faire l'évolution, mais je peux pas. Merde! Dans l'eau, c'est bien ça. Oh, j'ai fait les vieux sauts, mais je me suis trompée. Attends. Ça sert à rien. Oh, eh, c'est dur. J'ai vraiment pas le level, ou alors je suis pas au bon endroit. Parce que le problème, c'est qu'ils sont... Il y en aurait qu'un, ça irait, mais ils sont trois et je suis dans une toute petite surface, je peux pas les esquiver. Manque de calcium sur le lancer, bah je fais ce que je peux, hein. J'ai pas trop le choix. En ce moment, mais ce soir, c'est vacances de la zone B. Ouais, c'est vrai ça. Attendez, je vais essayer de me battre là-bas. Bonsoir Smart, comment on va? Non! D'accord, c'était l'autre. C'est complètement. D'accord, je vise lui sans du tout aucune volonté de le viser. Non! Non, je voulais faire les grecs. Non, je voulais pas mourir. Allez! Relève-toi, je t'en supplie! Mais pourquoi tu te relèves pas? Et pourquoi tu vises n'importe qui? Pourquoi tu me fais souffrir? Pas de livre un peu là. Putain. Avance! Je vais devoir arrêter, j'arrête. Truc de tentacule, mais j'ai pas de truc de tentacule en fait. Je pense que vous vous rendez pas compte que je suis pas très avancée dans le jeu. J'ai pas de tentacule, hein. Je tentacule personne, moi. Faut créer des comptes Warner et tout pour l'IA Epic. Je pense qu'il faut lier juste... Ah, j'avoue que je l'avais créé, du coup j'en sais rien. J'avais créé le compte Epic. Je crois que si tu lis Steam à Twitch, c'est bon. Ah oui, ah c'est ça que t'appelles. Ah oui, d'accord, cette tentacule vénéneuse. Ouais. Le problème, c'est qu'ils attaquent tous les trois, en fait. Je vais retenter. Dernière fois. Faudrait que j'arrive à en focus qu'un. Super. Arrête! Avance! Non mais c'est horrible. Avec la flotte, c'est vraiment beaucoup trop giga horrible. C'est le chou, ça. Ah! J'ai pas pu faire les vaisseaux, ça dégoûte! Ah ouais, c'est bien mieux.
Non, j'ai pas esquivé. Allez. Mais non, mais je fais n'importe quoi. Plus de popo de soin. Je save ici. J'en ai marre de redémarrer au même point. Et on va essayer de faire le dernier. Voilà. Mais j'avoue... En fait, Smart, je me rends compte que moi non plus... J'ai pas les skins que j'ai drop en fait. Comment on les obtient? Alors que j'ai tout lié moi. Regardez le stream officiel pendant 20 minutes et tiens. Et le tien si j'ai bien compris. Le stream officiel. Tu regardes un stream où il y a les drops, ça suffit. Et tu vas avoir une alerte quand tu auras drop. Et pourquoi la musique elle pète un câble? Regardez les streams officiels ce soir pendant 20 minutes. Ah ouais? What the fuck? Et si on fait des trucs? J'ai pas besoin de me booster en fait. Je suis tombée comme une misérable merde. Allez, escalade, je t'en supplie. C'est vraiment pas ouf comme perso. Oui, bah les 4 fois 30 minutes, ça je sais. Mais en plus, il y a un autre truc alors qu'il me dit que moi j'ai obtenu les drops. Ils m'ont jamais dit, ouais, faut regarder d'autres trucs. Ils me disent, vous avez obtenu les drops, vous pouvez les avoir in-game. Bah, c'était faux en fait, hein. Non. Oh merde, bah oui, je suis... Les yeux sauts, mais j'y arrive. Ah! Let's go. J'ai drop, mais j'ai pas le jeu. Et net, c'est un des drops? Non, non! C'est d'autres, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Et tous les autres trucs, je les ai pas eu, mais ça, je l'ai looté. Parce qu'en fait, il y a plusieurs lunettes comme ça. Je sais plus quand je les ai eu, mais je les ai trouvés dans un coffre. Oh mais attends, j'ai d'autres lunettes là. Ah non, c'est celle que j'avais déjà mise. Attendez, faut que je regarde les skins un peu. Et celle-là que j'aimais bien aussi. Là, elles sont pas mal. Je sais plus. Regardez ça. Hein. Pour le moment. Tu peux récupérer les lunettes finalement? Non. Enfin, je sais pas. Mais normalement, on a toute une tenue et je l'ai pas moi. Hein. Mais je sais plus ce que c'est la tenue. Oh! C'est nouveau ça! Oh! C'est toujours beau! Ah oui, ça c'est nouveau ça. Ça c'est classe. Je pourrais avoir la tenue de mage noir. Ça m'ira bien. Mais pour le moment, on va rester en steampunk. Ok, attends, je regarde le lien.
Hogwarts Legacy. Pardon. Rendez-vous sur une chaîne participante en live. Stream pendant 30 minutes pour récupérer ça, 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 ça. Non, bah oui, non, il suffit juste de regarder un stream où il y a les drops d'activer. Mais voilà, je les ai pas, moi, les trucs. Hein. Genre, il y a un bonnet chelou. Attends, il y a une écharpe avec une flamme, typiquement. On va voir si je l'ai. Moi, c'est le premier stream matinal. Bah écoute, ça va, mais je n'ai pas dormi. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Dessous, encore un truc. Bah moi, je veux voir un autre, en fait. À propos de ce drop. Ah, après, c'est pour le truc Merlin. Mais ça, c'est juste pour une tenue, en fait. La Merlin machin exclusive. Que tu pourras, effectivement, avoir sur le site. Sur le Avalanche Software, sur un live de Avalanche Software. Mais ça, c'est juste pour un des drops. Les autres, tu les as sans problème, normalement. J'avais même pas vu qu'il y avait un cinquième drop, j'avoue. Si je modifie... Ouais, j'ai pas. Il y a un truc avec juste une flamme dorée et une écharpe rouge. Ouais, je l'ai pas. Je sais pas comment... Alors, tout est lié, tout ça, je sais pas comment les récupérer. Il y a écrit en plus hein, que je suis connectée. Donc, voilà. Ça, faudrait que je demande sur les autres streams, limite. Peut-être qu'ils pourront me dire, parce que... D'habitude, c'est très simple hein, de récupérer les drops dans les jeux. Pas... Peut-être qu'après, on les récupère par courrier ou par un autre truc. Mais là, je veux pas. Je vais voir dans collection, s'ils apparaissent en collection. Mais je pense pas. J'aurais vu. Dans tenue. Non, ils sont clairement pas là. Contenu additionnel. Ils sont clairement pas là. Ah, un truc pas encore découvert. Peut-être qu'il faut les découvrir ou peut-être que... Je sais pas. Un objet ou une transmo? Bah que ce soit objet ou transmo, il n'est dans aucun des deux. Mais il y a écrit récompense, bah ils disent pas en fait. Ils disent pas. Mais bon, j'imagine que c'est une transmo. De toute façon, les objets font des transmo de toute façon. Mais voilà, je sais pas. C'est transfo ou transmo? Transmo. Moi je dis transmo moi. Transmo. Transformation ou transmo. Je sais plus quoi. Bref. Je sais pas si le terme transmo est bien. Donc ne s'active pas avec l'aide de Prime. Bah en fait sinon il te dirait qu'il faut le faire. Dans les conditions. Parce que t'as le truc comment gagner les drops. Et moi je les ai gagnés. Il me dit c'est bon vous les avez obtenus. Donc non non. Sinon, sinon, ce sera dans les conditions. Bonjour, Scrap. Grâce à toi, je ne sais pas, écoutez. Si vous avez des news là-dessus, n'hésitez pas à me dire. J'y ai rencontré un fantôme. Richard Cachou. Qui a de me mener jusqu'aux pages que je cherchais. Oh, ce garçon n'était pas assez bien pour Apollonia. Mais qu'en est-il de l'anneau des Blacks? Shuka l'a hélas vendu. Ah, c'est Lex. C'est malheureux, en effet. D'Apollonia, la meuf de Black. Un autre moyen d'impressionner le directeur. Faut lier son compte. Bah moi, il y a écrit connecté. Je peux même pas lier mon compte parce que ça me met en vert connecté. Juste parce que j'ai déjà tout fait. Merci encore, Scrap. De toute façon, j'étais obligée de le faire pour les activer. J'aurais pas pu les activer sur ma chaîne si moi-même, j'étais pas liée au truc. Ouais, je fais tout comme d'habitude pour le drop. Mais je pense que c'est in-game qu'on peut le récupérer peut-être. Mais comment? Ou alors, autre possibilité, ça te les débloque dans le jeu. C'est-à-dire que c'est des objets que tu peux obtenir qu'une fois que t'as les drops. Mais que tu peux les obtenir par contre de différentes manières ou les acheter, je sais pas. Je sais pas du tout. Ou alors ils s'activent. Je sais pas si les gens les ont. Si c'est ça. Ah ça j'avais fait ça. Oui la porte est ouverte. Ok. Je dois apprendre le sortilège de désarmement. Ok. Et ben cool, le banc va rentrer, hein. On va rentrer. Ah, ça me récompense, ça me donne des tenues. Périple sucré, crédit des dalles. Devoir du professeur E4.
C'est au cours de faire du mal pendant la journée. Je vais faire le périple sucré, ça pourrait être sympa. J'ai créé un compte Warner ? Ouais, ouais, moi j'ai. De toute façon, comme je dis, hein, vu qu'il met en vert connecté, c'est-à-dire que je peux même pas le refaire. Il écrit connexion obligatoire, il met connecté, c'est-à-dire que j'ai connecté mon compte. Et si je veux vérifier en cliquant dessus, bah ça marche même pas. C'est genre, je peux même plus interagir avec. Donc c'est que c'est bon. Enfin bon, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Pas du tout ça que je vais faire, je voulais aller à Poudlard. Non, je me suis trompée, hein. On va aller à Poudlard. Mais non, mais... Oh, est-ce qu'il est couillon le jeu? Ah, je suis dans les défis! Je déteste la carte, hein. J'ai déjà dit, mais je la déteste. Je veux me mettre sur un point de TP, mais j'y arrive même pas! Mets-moi sur un point de TP, je t'en supplie! Pourquoi je peux... Je m'énervais là. Ah! Non! Everything comes down to be my enemy. Wow. Bon. La réponse c'est qu'il y a une région et château ensuite pour le point de TP. C'est mal fait. Ouais, bah surtout qu'en plus le château, on le voit presque aussi détaillé. Du coup, bah on a l'impression que c'est bon qu'il est sélectionné, mais non. Du coup, ça dégoûte. Ah, mais la statue de la sorcière, j'ai vu. Et pourquoi j'ai une vibration ici? Ah, c'est toi qui vibres à chaque fois, là. Ça, je sais toujours pas comment les ouvrir, mais me dites pas, s'il vous plaît, je vais découvrir. Je pense qu'il me faudra de la force. De toute façon, il me manque plein de sorts, j'en ai pas beaucoup. Oui, je saute. Oui, il faut que je me refasse des popos de soins. Et une clé. Une clé qui vole. C'est plus tchot. Quelle indolence! Réveillio. Mais j'ai pas vu où elle est partie, la petite. La petite clé. J'ai pas du tout vu. Vu que j'ai pas dormi, mes yeux ils suivent un peu mal l'action. Hein. Je m'en rends compte. C'est important de s'en rendre compte et je m'en rends compte. C'est beau. Ah, je l'entends. Ici. Il m'est tricky. Ah, presque. Très relou les drops quand même. Bah de manière générale, c'est assez simple. Là, je sais pas ce qui se passe. Lox matinale, mais oui, incroyable, hein. J'ai 11h, j'ai toujours l'impression d'être dans le tuto. Ouais, t'apprends tout au long du jeu, j'ai l'impression. Je débloque plein de trucs encore, ça c'est cool. Ça dit, je suis à 13h de jeu, moi. Mais je fais trop de trucs secondaires et je fais trop de promenades. Et du coup, j'avance pas beaucoup. Jetons de maison. On va pouvoir utiliser des caddies. Night City n'attend pas. Ah bah bonne game alors, des bisous. Éclate-toi bien.
Attendez, je veux voir au moins où c'est. Lumos. Ouais, bon, je verrai. Oh bah il est là. Et toi ? Moi j'ai eu en fait. J'ai avancé un peu pour avoir des sorts. Bah oui, non mais t'as raison hein. Parce que ça me frustre les cadenas. Ouais c'est ça. Ou les coffres que tu viens de croiser. Oui, moi ce qui me frustre c'est de voir des trucs grisés dans mon inventaire. Dans mon inventaire, dans mon menu. Moi vraiment, le fait de savoir qu'il y a des talents que j'ai pas débloqués encore. Le fait de savoir qu'il y a une chambre sur demande que j'ai pas débloqué encore. Et c'est un truc, je sais, j'ai compris maintenant, qui me permettra d'utiliser l'écrasor et qui me permettra du coup de pouvoir crafter dans ma chambre quand je veux des trucs. Mais je veux en fait. J'en ai marre. Voilà. Et je veux pas débloquer ça à la fin du jeu, moi. C'est des trucs utiles. Débloquer tout ça hier avant d'éteindre. Ok. Non, ben, je vais essayer de me concentrer, de débloquer ça aujourd'hui. Concentrer là-dessus. Mais j'ai pas joué hier, moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, la Lady Bourne, elle est là. On dirait la statue que je cherche. Oui. C'était quoi le mot de passe déjà? Amnium. Je sais plus du tout. Évidemment, j'ai passé une plombe. J'ai évidemment passé une plombe à la salle sur demande. Mais oui, c'est ça, mais moi je veux aussi, ça a l'air trop bien. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici? Bon, franchement, ça m'étonne zéro. Par contre, le fait qu'il soit si immense et qu'il y ait des torches qui s'allument. Il y a une carte au trésor aussi qu'il va falloir qu'on fasse, mais on va faire ça plus tard. Je peux descendre par là. Oh oui, ça semble être une trop bonne idée. Pas grave, je connais des sorts. Juste, je me rappelle les touches. Mais c'est bon. Et je fais ça, et je fais ça. Réparo. Franchement, des sorts comme ça existent. On dirait que ça a marché. Y'a pas de petit loot? Ah bah si, quand même un petit loot. Mes chars par rayures qui est mieux que ma mienne. On va la mettre de ce pas. J'aime bien la forme, mais la couleur n'est pas ouf. C'est pas zouf, zouf, zouf. Oh tiens, ça change. Allez, on reprend celle-là. J'aime bien celle-là. Je suis tombée. Là, je suis à travers la texture, là. Ça ne me rassure pas. Let's go ! Je passe à travers, ça me fait peur. Ah, j'ai vu. Je veux ça. Merci, hein. Je crois que la dernière fois, je viens de me rendre compte d'un truc. La dernière fois, quand j'ai quitté le jeu, j'avais des sortes de petits chuchotements qu'on entend quand on fait Revelio. Je les avais en permanence. Et je pensais que du coup, c'était un truc à faire et tout, ça rendait ouf. En fait, je me rends compte que je l'ai plus depuis que j'ai relancé le jeu. Du coup, c'était complètement un bug, en fait. Voilà. Allez. Ah d'accord, pardon. Oh, il y a des bébêtes. Il y a des petits ratounes. Piratus plutôt. Oh, toile d'araignée. Il y aura des ennemis en araignée. Ah, attendez, faut que je mette mon truc. Faut que je fasse ceci et ceci. Je joue à Skyrim, je sais comment ça marche. Ceci. Et après on fait ça. Ouah. Incroyable. Professionnel.
Écharpe. Oh, une nouvelle écharpe, faut que je la mette. J'adore les skins. Ah, elle est pas jolie. Si je mettais celle-ci. Ah non, elle est moche. Oh, mais c'est un... C'est un torchon. J'aime pas cette forme. Si je mettais du rouge un peu. Allez, je mets du rouge. Les emplacements d'équipements sont presque pleins. Mais je les ai vidés il y a pas très longtemps. Là du coup je vais trouver des trucs et je... Ça rend ouf. Il va falloir que je trouve un point de téléportation. Je l'aurai pas, c'est sûr. Et je vais trouver des skins, je vais pouvoir les utiliser. Je vais devoir des trucs. Il y a des bruits. Il y aura des araignées. C'est pas grave, j'ai joué à Skyrim. D'aller au magasin après l'art, je sais bien. Là-bas, tu vendras. Bah, le truc, c'est que il doit être fermé normalement ce magasin. Parce que si j'y vais de manière clandestine, bah, c'est que ça va être fermé. Mais j'avoue que oui, t'as raison. Je pourrais vendre là-bas. Je vois la bestiole qui fait du bruit. Oh, il est là! Coucou toi! Il est sous la map, littéralement. Trop mignon, c'est les... Parce que dans l'univers, là, il y a des crapauds, ils font des bruits chelous, ils sont trop mignons. Je suis coincée. Non. Comment je vais sortir d'ici? Tout va bien. Encore? Les vieux sont un peu, là. Ça suffit en vrai? Ah oui! Un petit bras quand même, le Levioso, hein. C'était un Levio-mou, quoi. Ah là là, t'avances pas. Par contre, le fait que ton personnage fasse des petits pas en avant constamment quand tu fais un sort. Regardez. Voilà, elle fait que s'avancer quand je fais des sorts. Et oh, j'ai tué des rats, je voulais pas. Et ben c'est chiant. Voilà. Juste ça que je voulais dire. On va fouiller l'eau. Trop mignon les chants des crapauds. Un levioso pas haut. Ouais, c'est vrai. C'est un levio pas haut. Bon, les... Nous avons compris. Et voilà, équipement plein, je vais péter un câble. Bon, je vais virer un truc. Mais je vais oublier de revenir là parce qu'on peut pas mettre des points dans... On peut pas mettre des points sur la carte. Je suis pas folle d'ailleurs, on peut pas mettre des balises sur la carte. On peut juste mettre un point en mode. En mode c'est ma destination, mais c'est tout, hein. Et mes gains. 60. 2 millions. Mon chapeau. 60. Et tenue. Tenue rustique de bonne facture. Non, mais tout est à 60. Mes trucs comme ça. Ma robe de jambe. Les vieux sauts del Paso. Les vieux del Paso. On va repasser, on va repasser, c'est pas grave, c'est pas grave. Juste fais 10 mois penser si j'y pense pas. Un élément vert qui coûte rien. Bah c'est tout à 60 en fait. Bon, ça, c'est pas énorme, hein, tu me diras. Oh, dans les lunettes. Ah ouais, j'ai plein de lunettes à chier.
détruire. Ah non, elles sont mieux que celles que j'ai. Oh le look, je me suis vraiment fait des yeux vides. Ultrason. Elles sont pas mal celles-là aussi, j'aime bien ça. On va mettre ça. Passion pour la sieste dans... Oui, mais je sais plus, pour... j'ai pris ce perso, je sais pas, j'aimais bien son petit air un peu blasé, mais en fait, elle a l'air juste endormie. C'était une erreur. Super, des gants pourraves. Mais tu me perds. Écoutez, maintenant c'est fait, hein. C'est pour ça que je mets des lunettes. Ça passe mieux. Allez, on se tire. Ah! Mince, faut que je fasse un petit truc. Ah! Je vais mettre ça. C'est une capuche, tu peux choisir de la mettre. Oui, j'ai vu ça aussi la dernière fois que j'ai joué. Je m'en suis rendu compte, t'as une touche pour placer ta capuche ou pas. Ah ! Incroyable les features. Merde ! Mais mince, je remplace les deux sorts dont j'ai besoin tout le temps. Mais je suis pas logique. Je fais ce que je veux. Je crame tout d'ailleurs. J'ai pas peur. Traverser. Ah oui. Allez, go. On refait ça. J'adore. Je fais là parce que sinon je cherchais la touche. Je suis habituée à cette touche. Quelque chose bloque cette plateforme. Oh, qu'est-ce que c'est ceci? Marquis, je devrais parler comme ça? Ouais, c'est plus logique. Ah! Ce doit être la sortie. Tout à fait. Oh! C'est bien l'écho, hein? Je n'utilise pas assez souvent beaucoup d'écho. Petit passage secret. Il y aura un cosmétique que je peux pas équiper. Alors, on va regarder le gant qu'on a eu qui est tout peurave. Voilà, gant tout peurave à 60, donc ça dégage. On va vendre, on va vendre. Oh le stress! Il n'aime pas l'écho? Moi j'adore! On va mettre un peu de reverb aussi. Hop, un petit peu plus, légèrement. Oh l'angoisse. Je peux pas le mettre! Réveille-yo! Réveille-toi, Lio! Réveille-yo! Le jet de l'écho dans la voix. Ah mince. De sucre. Je dois approcher de Honeduc. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que à part le sucre, il y avait d'autres indices quand même, ma poule. Volons la thune de ces vendeurs de mon bec. Oui. Astuce, les récompenses spéciales sont débloquées au fur et à mesure que vous accomplissez le défi du guide des sorciers. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? Franchement, j'avoue que c'est accueillant. Honeduc,
Je sens le chocolat d'ici. Ah, qui font plein, je peux te cap. Je suis dans la réserve, j'ai pas retourné de si près, de si tôt. Je vais rien dire. Je vais enlever des lunettes. Ça saoule, hein. Là, je me suis assis sur 180 balles, là. Mon chapeau. On a vraiment pas assez de place. Oh, mais il est superbe! Je déconne, évidemment. J'ai un nouveau. Oh mais c'est ravissant. On va voir ça plus tard. On va faire un nouveau look après. Après la quête. Moi j'en ai même des nouvelles lunettes. Réveillon. J'ai les dards de Bilwig séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Bonjour. I am the client. Y'a pas de venteur. Ah si. Il peut rien vendre. Merlin, non. On en a juste parlé, Kuzake, avec Vig. Ou je sais plus qui. Bah non. Oui. Donc c'est qui est les vendeurs. Avant que vous ne demandiez, je n'ai plus de chaussettes. Je lag. Les sentent mauvais, débrouillez-vous. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Bonjour à tous. Au risque de me répéter, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah non, elle était mieux que celle que j'avais, quelle connasse, je suis débile. J'ai pas fait attention. Oh merde, ça dégoûte. Uniforme de Quidditch, ça sert à quelque chose de Quidditch là, vraiment. Hein. Oh là là, oh là là. Ça a l'air beau ça, hein. 500 balles. C'est donné. Vous ne le regretterez pas, c'est la promesse Gachifon. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Ouais, ouais, je vends tout. Il y a juste un truc que j'ai gardé parce que il est aussi bien qu'un autre truc que j'ai. Voilà. Oh, il est sympa. Sympa, sympa. Alors, si on se faisait un look un peu verdoyant, qu'est-ce que vous en dites ? Ça peut être sympa. Bon, la cape aussi, elle défonce. Hein. Mais ça, c'est quand on aura le total look mage noir. Quoi, je l'ai peut-être après. On va voir. Parce que ça peut aller assez bien avec. Je sais pas si c'est fait pour aller avec en vrai. Ça va peut-être pas vraiment avec. On va voir. Tenue. Ah, ça serait peut-être plus ça. Ah, mais j'aime pas ça. Je vais mettre comme ça juste pour voir ma tenue. Alors, je me trompe encore. Ah bah non, mais j'ai ma nouvelle. Il faut que je l'équipe. Elle est sublime quand même. Ça irait bien avec ma cape. Peut-être me faire un look avec cape alors. Faire un look avec cape. Cape. Dans ce cas, il me faudrait un truc un peu plus... voilà. Plus dans ses... Ah non, ça passe à travers ses chums. Ça va.
Ah, oh, ça c'est bien ça. Je pense que ça c'est bien. Ok. Les gains. Je pense qu'on peut faire du mage noir. Ça peut être sympa. Ouais. Quoique ça, ça va peut-être mieux. On va prendre ça. Les cheveux, la tête, tout ça, ça va être compliqué. Parce que quand t'es chevalier ou chevalière, tu mets quoi? Tu mets ça, mais c'est ridicule. Totalement ridicule. On peut rien mettre aussi. Ça, pourquoi pas? Une vraie justification possible? Eh, hey, ça! C'est chelou, mais j'aime bien. Couleur de Gryffondor, j'avoue. Mais bon, moi je suis tellement serpentarde dans l'âme que ça ne fait aucun doute à personne. Rigolote celle-là. Bien Blazax hein, quand même la nana, hein. Bien Blazax. Ça faudrait qu'on ait une tenue de sirène, on n'a pas de tenue de sirène. Ça, ça va bien, mais mes cheveux, ils passent à travers de manière étrange. La justicière masquée. Justicière, pas justifière. Je vais pas me justifier. Pas très convaincu du look, mais on n'a pas assez de trucs verts. On verra ça plus tard. Bonsoir Floxy, bonsoir Cramlech. Bonjour. L'habitude de dire bonsoir. Bonjour. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup pour le raid Floxy. Merci, c'est très gentil. La tête, personne ne te regarde. Eh oh, laisse-moi tranquille. On avoir acheté une deuxième paire. Je hais ces chaussettes. Des chaussettes à ce prix, c'est une affaire. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. Merci beaucoup, vous étiez aussi sur ce game incroyable. Oh, les gants arrivés, ils ont l'air beaux. Pouvez-vous la fermer? Je choisis mes habits, j'ai besoin... Oh, il y a un truc araigné. Pire, j'achète tout. Franchement, au pire. Hein. Ça, je peux vendre. Mais fermez-la, je me concentre. Oh là là, il m'engage. En attendant, tu feras avec ce qu'on donne. Mais gars. Papa, c'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un objet en le lavant. Mais arrête. Vous ne le regretterez pas. Non mais j'arrête d'acheter des trucs. Hogwarts. Ah nice. Et ça va, tu t'éclates? Tu es de quelle maison? Salut Blue Bibou. Protego. Me suis trompé. En vrai, je me fais un skin, c'est important. Ils sont mieux. Oui. Et ils sont extrêmement swaggy, je vais les garder, même si en vrai ça va pas dans ma tenue, mais c'est pas grave. Oui, sur le père. Serpentard perso. Bah, félicitations. La meilleure des maisons. Alors, c'est une réflexion de Gryffondor, ça, mais peut-être Poufsouffle sinon. Salut Zadek. On a combien de VOD? On a 1h20. Ça va. Est-ce que j'achète d'autres trucs? Mais non. Sinon je m'achète des popos. Gâchifon. Les potions de pipin. Ouais, allez. Vous êtes mignon. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Pas digne d'un Poufsouffle. Effectivement, les Poufsouffles, normalement, ils ont pas de ce côté prétentieux. Les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Déjà 24 heures de jeu en un jour et demi. Ah, GG. Non, mais c'est vrai qu'il est très très prenant et t'as envie de faire 1000 trucs. Et moi, j'arrive pas à avancer dans la quête principale.
On pouf souffle qui finit 9 à 10h30, je comprends. Il y a la sieste, ensuite la bouffe, la sieste, ensuite le dîner, il faut se coucher à 19h. Ça a l'air d'être... En vrai, ça a l'air d'être... J'ai pas de... Moi, je m'en fous. C'est... Bon, voilà, je suis pas très Gryffondor, quoi, mais sinon, on s'en fout. Mais par contre, il paraît que c'est les pouf souffle, c'est trop beau. Voilà. C'est une sage décision. Merci. Je t'en prie. Je sais plus ce qu'on a besoin pour faire les popos. Recette potion qui accroît les dégâts. Rend la personne qui boit pratiquement visible. Fait des dégâts puissants. Réduit un peu le temps de recharge des sorts. Une recette de potion maxima. C'est une sage décision. Merci. J'ai un arrière-côté serpentard. On a toujours Tintin qui est là. Il est adorable, le gamin. Au moins, il parle pas. Ok. Chaton. Et ensuite, on va suivre des cours. On passe leur temps à glander dans la salle de commune. Heureusement qu'elle est belle. Bah, moi, je m'en fous. Tout le monde passe son temps à glander ici. Monsieur, nous n'avons rien pris. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. J'en avais pris qu'un. C'est tout ce que j'avais pris. Un mot et je les défonce. Combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux? Je vous jure qu'il n'y avait que ça, monsieur. Promis, monsieur. On se serait jamais permis de... Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos pétroriers à Azkaban. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Est-ce qu'avant, monsieur? J'avais des trucs à trouver ici. J'avais des cadenas partout. Hein. Voilà, tout simplement. C'est juste une map de cadenas pour le moment ici. Mais là, j'aperçois des choses. Si, je crame tout. Pardon, je me tais. Ok. Bon, on va faire ça d'abord. Mais c'est ravissant. C'est-il pas par là par hasard? Oh, on entend des bébêtes. Oh, c'est lui les bébêtes. Oh, un truc à voler. J'adore voler de la thune. Faut faire ça que voler des trucs inutiles. C'est peut-être plutôt là-bas en fait. Oh, il se passe un truc ici. Mais je m'en fous de ça, c'est les coffres qui sont trop vénères contre moi. J'ai les mêmes yeux qu'eux. Pourquoi ils sont jaloux, juste. Bande de jaloux. Pourquoi ça me fait jeter un RP? C'est trop addictif. Un RP sorcier, ça serait tellement fantastique. Surtout avec les factions en plus, genre c'est parfait. Avec les maisons et tout, genre t'as tous les ingrédients. Pouf souffle, un Tserdeg en train de se faire victimiser. Mais non. Moi tant que vous êtes pas Gryffondor. Tant que vous êtes pas les autres loups là. La sainsu. Devenir comme moi, vouloir défoncer les animaux. Non, moi j'ai pas ça, j'ai pas ce besoin destructeur envers la nature. J'aime juste parfois tout cramer. Ça n'a rien à voir. Ensuite du jeu, je le déteste, en fait. Je les hante évidemment. J'aime beaucoup et comme j'ai souvent dit quand on m'a demandé mon avis, je suis pas une fan d'Harry Potter spécialement. J'ai même...
je vais un peu abandonner les films et tout. Là, je m'y remets un petit peu pour avoir les refs plus que parce que ça m'a donné envie ou quoi que ce soit, mais c'est que mine de rien, connaître l'univers, ça c'est quand même cool. Même si c'est assez sympa, parce que le chat souvent me donne des infos que j'ai pas. Donc c'est assez ludique, donc ça c'est sympa. Mais bon, j'essaie quand même de rattraper un peu mon retard. Voilà, c'est autant dans les films, il y a pour le moment en tout cas, j'en suis qu'au troisième, il y a beaucoup de trucs ça m'a pas spécialement convaincu. Mais autant pour un univers de jeux vidéo, je trouve que c'est parfait. Et bon, j'ai pas lu le bouquin, parce que comme je t'ai dit, je suis pas suffisamment intéressée à l'univers. Peut-être qu'un de ces quatre, j'en sais rien. En tout cas, malgré ma méconnaissance, je suis très RPG, je suis très open world. Là, il y a tout ce qu'il faut. Le jeu te donne un peu à boire et à manger. Il essaye de te mettre plein de trucs qui peuvent te faire plaisir en tant que joueur ou en tant que joueuse. Donc c'est cool, il te donne envie de visiter tout, c'est ce que j'aime le plus dans les open world, c'est quand l'open world il te donne envie d'aller partout, de tester plein de trucs, où tu vois des trucs au loin, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce machin. Ils sont très forts pour ça. Il y a des petits événements et tout. Après optimisation absolument, voilà, ça c'est un bug graphique par exemple, absolument horrible. Optimisation complètement dégueulasse sur PC. Techniquement peut-être un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Et une map dégueulasse aussi. Mais sinon, voilà. Par ça, ça va. Voilà en gros ce que je pense. Hein. Ok, il y a un autre truc à l'autre bout là-bas. À l'autre bout là-bas. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux viser... Ah oui, non, on a trois. Ok, un truc à faire avec ça. Pour le moment, je sais pas quoi, mais un truc à faire avec ça. On verra tantôt. T'auras pas le choix de défoncer des loups. Ah, j'en ai croisé. Mais bon, oui, comme d'hab, les loups sont toujours le... sont toujours... des bestioles cruelles et affamées, assoiffées de sang. Peu importe l'univers vidéoludique, ça je l'ai appris. Alors que depuis toute petite, j'aime les loups. Voilà. En fait, j'aime toutes les... J'aime un peu tout, en fait, au niveau bestiole. Ça vous fait le truc Harry Potter Fan Club aussi? Ah, vous avez fait le truc ouais, moi je l'ai fait, moi. Je l'ai fait. Et puis c'est sympa à faire, en plus. Je trouve ça assez marrant. Ça engage à rien personnellement, si ça peut, voilà, ça peut être une info. Si vous voulez faire votre compte et tout, j'ai pas reçu de spam après avoir fait mon compte. Donc c'est une bonne chose. Salut site. Que tu veux que je te dise pour faire une petite bouboule? Absolument pas. Absolument pas. Non, moi je fais partie des gens qui aiment bien découvrir le jeu. Voilà. Et qui vont pas chercher la solution à chaque fois qu'ils ont une moindre difficulté. Comme la plupart des streamers, ils préfèrent aussi, on préfère tous essayer de découvrir le jeu. Quitte à galérer, c'est pas grave, ça fait partie du game. Ça va, Morfufu? Et voilà, je vais être encore obligée de vider mes poches. Est-ce que je peux te vendre des trucs à toi? Évidemment non. Évidemment non. Je bouffe tout. J'ai pas les niveaux, je peux faire zéro serrure, ça dégoûte. On verra ça plus tard. Je peux vendre où par contre? Faut que je vois sur la carte. Je ne sais plus.
ça que je demande avant au cas où. Oui, oui, bah c'est vraiment, vraiment, c'est... Ne spoilez pas des trucs, s'il vous plaît. Je sais que ça s'est déjà arrivé pas mal de fois depuis que je joue au jeu. Souvent, ça part d'une bonne intention. Mais voilà, faut faire... Faut imaginer comme si on spoilait un film. Du coup, en général, ça va. On comprend que, effectivement, c'est pas le truc le plus fun. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. Je renouvellerai... Oh, punaise ! Oh, le masque d'asile ! Oh, let's go. Je me mets en mode popcorn. Eh ben, bon popcorn. Je passe en lurk. Bon lurk à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Foxy. C'est très gentil. Pour le raid. Inventaire. Faut être gentil avec nous parce qu'on est gentil, nous. Dommage, j'ai pas un regard assez terrifiant. Je vais le garder pour le moment. Ouais, c'est cher, ouais. Ouais, tout est assez cher, effectivement. Et j'ai l'impression qu'à part vendre des fringues, j'ai pas mis de moyen de me faire des sous pour le moment. Donc faut déjà en trouver. Voilà. Et du coup, ça m'a pas empêché de dépenser plusieurs milliers de PO en cosmétiques que j'ai même pas utilisés. Mais le swag avant tout, c'est important. Surtout chez Serpentard, faut l'admettre. Quand même, maison un peu swag. Chirurgicus et Sticus, ouais. Mais comme je dis, j'ai choisi mon personnage parce qu'il avait un petit côté blasé, comme je le disais tout à l'heure. Mais peut-être un peu trop blasé. Finalement. Attends, il est où le gars? Il est à Poudlard? Ah, il est à Poudlard. Je sais pas, je crois qu'il est après. On rentre alors, c'est ça? Attendez, faut que je fasse. Zoom avant. Je fasse ça. Je fasse ça. Je vais pas queener sur la carte, mais... J'ai envie. Dans certaines missions. Ouais, je suis déjà allée chez coiffeur parce qu'au début j'avais choisi une coupe pas ouf. J'avais choisi en fait les cheveux, que mon personnage ait les cheveux attachés. Parce que les cheveux longs ils sont plutôt bien animés, ils sont plutôt jolis. Mais le problème c'est qu'ils passent à travers toutes les fringues. Du coup c'est très moche. À chaque fois tu vois ton personnage courir, tu lui fais une longue chevelure, sauf que t'as allez, j'irais 70% de la chevelure qui est en fait dans les fringues à moitié glitchées, c'est pas joli. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre à mon personnage les cheveux attachés. Le truc, c'est qu'en fait, si tu mets à ton personnage les cheveux attachés, et ben, si t'as un chapeau, c'est comme si tous les cheveux rentraient dans le chapeau. Donc, c'est pas stylé, donc j'ai changé. On dit que les cloches des trois sœurs tiennent leur nom de trois belles collines escarpées qui s'élèvent majestueusement au-dessus du vallon dans l'Agrilshire. La légende veut qu'on les entende dans ce vallon, de l'autre côté des Islands, lorsqu'elles sont sonnées au château. Les habitants de la région sont déconcertés par ce mystérieux carillon depuis des années. Croyable. Ça carillonne, attention! Que dalle. Que dalle. Mytho. Poudlard mytho. Il n'y a pas de son. Qu'est-ce que c'est que ce truc étrange? Armure aplatie. L'armure appartenait à sœur. Skagletrop, Torp, l'insouciant, il fit l'erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Il est mort dans son armure. Il est toujours dedans. Quoi encore? Il y a encore un truc qui digne. Ouais, je suis jamais rentrée par là, je me rends compte. Je suis jamais allée là en fait. Enfin, juste passé très vite fait. Maman mode spec de l'ombre, bonne game à toi, prends du kiff, merci beaucoup Foxy, des bisous.
Les guides sur mode GTA. Ouais, non, mais c'est très très chiant. J'avais pas vu ton message, désolé. Mais bon, l'heure en tout cas. Est-ce que tu vas stream cet après-midi? Cet après-midi, je pense pas. Je sais pas à quelle heure je vais m'arrêter, mais. Peut-être midi ou un peu après, je sais pas. Ouais, peut-être midi, 13h. Et je reprendrai le soir. Je vais faire une petite sieste parce que j'ai pas du tout dormi de la nuit. Donc je t'irai faire une petite sieste dans l'après-midi et je reprendrai ce soir. C'est juste que ce soir, je ne sais pas si je vais jouer à ça ou à Grounded. Parce que ça va dépendre de si mon frère est dispo pour Grounded. Vu qu'en ce moment, on a un peu du mal à se concerter pour jouer. À être dispo en même temps, je vais essayer d'être là dès qu'il l'est lui. Comme ça, bah, on pourra avancer. Et surtout qu'on est vraiment à la fin de Grounded. C'est quand t'es utilisé par des gobelins pendant la révolte des gobelins en 1612 pour allier les troupes tout en agaçant les sorciers et les sorcières. C'est du... Oui, voilà, c'est cornes, mais je pensais pas à des cornes, je pensais pas à l'instrument, quoi. Cette corne a été découverte derrière l'auberge de la tête du sanglier peu après l'événement, avec la tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur. Une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur, sûrement pour la faire taire. Et si tu la fais pas taire, ça fait le générique de Kaamelott. Il y a des portes là-bas. On va quand même y aller. On va pas y aller. Évidemment, ça digne de partout ici. Ah, ça j'avais fait. Je vais où? Je fais n'importe quoi. Merci Zadek pour le follow. Des oubliés, très bonne matinée à vous. On a on a 1h30 de VOT. Je termine ça et je vais peut-être en relancer une. Je vais voir. Il est sorti par la bite. Merci Blue Blue Blue. Ça fait encore du Fall Guys de temps à autre. Mais on fait pas souvent des parties avec du monde, des parties, tu sais, privées. Parce qu'en fait, quand on fait des parties privées, et ben c'est très chiant de faire certaines... C'est très chiant de profiter de certaines maps qui sont faites pour être à beaucoup. Et nous, quand on fait des parties privées, on n'est jamais énormément. Du coup, ça fait qu'on est obligé d'être que 4. Et généralement, il y a plus de monde qui veut jouer. Donc voilà, bref, c'est un peu compliqué quand on fait du Fall Guys. Mais oui, souvent quand il y a une nouvelle saison en tout cas. Voilà. Je sais pas où est partie la clé, j'ai pas regardé. Elle doit être par là-bas. Moi je pense qu'elle est par là-bas. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Non, 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 non. Bon, on verra plus tard la petite clé. Ah bah, ah non, c'était une autre. De vous rejoindre avec Dreamage, j'ai pas assez de personnes pour les PP. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'avoir avoir 10 personnes, on y arrive de temps en temps. Mais Oh, sympa. Mais le problème, c'est que même si on y arrive, bah on n'est pas... On n'est pas assez pour faire une grande partie des maps. Du coup, on fait tout le temps les mêmes. Du coup, c'est chiant. Donc, c'est vrai que c'est, je pense que si tu fais des parties privées, si t'es pas allé une vingtaine, une trentaine, donc c'est fait pour les lives un peu plus conséquents, et ben, t'en profites moins. Après, ça va tout seul. Ouais, ouais, bah, je verrai les clés quand je passerai. Pour le moment, c'est pas le truc sur lequel je vais me concentrer. Mais je verrai plus tard. Je me trompais de tout. Ok, si je fais ça. Et que je fais ça. Et que je fais ça. Mais ça ne change rien par contre. Ah si, il y a des petits symboles. Je n'avais pas vu. Vu que j'ai tout cramé, je n'avais pas vu. Ok, 2, 1, 4. Là c'est pareil, j'imagine. Et le symbole, chacun un symbole différent, donc il va falloir que je comprenne à quoi correspond chaque symbole. Et il y a des petits trucs ici. Ok,
Bon voilà, c'est là. Le triangle là c'est un 1 et l'autre c'est un 3 là-bas, ok. Fais attention. Et ensuite... ensuite le rond qui c'est un 2. Ah non, c'est un 4. Qu'est-ce que je fais? J'ai vu hier sur le jeu. Avant de te raid, je me suis dit à coup sûr c'est une griffon d'or. Me tape pas, s'il te plaît. Écoute. Écoute, je peux comprendre qu'on me trouve extrêmement courageuse pour être une griffon d'or, mais je suis beaucoup plus malicieuse et subtile que ça. Tu aurais dû le savoir. Réflexion désagréable dernièrement. Pas depuis que tu m'as trouvé cette feuille de tentacule avénéneuse. Ta gueule ! Pardon, je me suis sentie insultée là. Ok, ça m'a donné quoi ? Du coup, j'étais perturbée par cet aveu que tu m'as dit, là. Ça fait quoi? Ça m'a juste fait des points, en fait. Ça m'a rien donné. J'ai pas fait attention. Ça a ouvert un truc? On verra plus tard, hein, si j'ai ouvert un truc. J'étais pas du tout concentrée. Port souterrain. Hein? J'ai ça, moi? J'ai accès à un port souterrain? Mais qu'est-ce que c'est que cette filouterie? Sympa! Local de bateau que j'ai pas encore visité avant 24 heures de jeu. Bah le voilà. Comment ça, il y a des bateaux sous terre? Bah non, mais ce que j'aime bien, c'est que les barques là, elles passent à peine au niveau de la porte. Et que surtout, je pourrais jamais les utiliser. Parce que j'ai bien compris hein, qu'il y aura pas de... Il y aura pas de petite balade en barque. Ou alors ce sera en quête, dans la quête, et tu pourras pas le refaire. Et pourtant, j'aimerais bien moi, me balader en barque parce que quand je traverse le lac, et ben je fais la nage et c'est chiant. C'est le coffre là-bas qui brille ou c'est autre chose? J'ai l'impression que c'est autre chose, moi. Ah, c'est toi qui brille. Pour le lac noir. Ouais, mais il aime bien qu'on dise le grand lac. Pas de coup de disque prévu, je suis triste. Bah oui, ça a été annulé. Mais t'inquiète pas, on aura le droit à un DLC. T'inquiète. Cet endroit situé en dessous de la cour du viaduc qui accoste les bateaux en faisant traverser le lac noir aux élèves de première année pour rejoindre Poudlard. Et moi, j'ai pas le droit. Ah, dégoûte. Tout pour les premières années. Ils sont trop nuls. Hein. Ok. Je savais pas. Je devais retrouver l'autre. Mais il est vachement loin, en fait. Je m'étais TP à côté, moi. J'aime bien ce truc, en fait. Ce petit masque-là. Covid, tout ça. Et ouais, on peut être magicien et prudent. J'ai fait ce que m'a dit GPS et du coup, je me rallonge. GPS sorcier, c'est pas les plus ouf. Pourquoi la salle commune de Serpentard ? Parce que... La commune de Serpentard se trouve dans les cachots. Elle se trouve sous le lac, espèce de nulos, inculte et ridicule. Oh, je l'ai éclaté, il m'a saoulé. Tiens, faut que je crame tout. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Mais je fais un brasier, ça ne brasse pas. Qu'est-ce que c'est que cette pièce?
Oh, j'avais dit que j'allais faire la quête. On arrête de se disperser. Un coffre. Et bisous, Morfufu. Semi AFK. Bon AFK à tous. Bonjour, Gareth. J'ai les dards. C'était un cours intéressant. Pourquoi elle veut que je dise ça? Un cours intéressant. Grâce à toi. Ce n'est pas exactement. On a la pire salle commune. On a la pire. Elle est littéralement sous un lac. C'est trop beau. Genre, tu regardes par la fenêtre et tu vois le Kraken. C'est trop bien. Moi, j'adore. Non, franchement, elle est trop bien. Ouais, c'est la meilleure, mais c'est pas la pire, ça c'est sûr. Franchement, la Gryffondor, je l'ai vue, elle est basique. Enfin, elle est exactement tout ce qu'on attend d'un Gryffondor, elle a pas de surprise, quoi. Tu m'as tiré des ennuis, espèce de nulos. Professeur Sharp n'était pas ravi. Ne me mêle pas à tes combines la prochaine fois. J'en suis désolé. Il a peut-être déjà tout oublié. Vous avez la meilleure. Ouais, moi je trouve qu'on en a une belle. Je crois que la meilleure, franchement, c'est Poufsouffle. Dans sa jeunesse. Je dois filer. La prochaine fois qu'on se verra, ce sera moins explosif. Souffle éclaté dans la cave à vin. Mais il paraît qu'elle est très belle en fait. Et en plus, bah, trop bien. Genre, t'es littéralement dans la cave à vin. Genre, ta porte, c'est derrière des tonneaux de gnôles. Trop bien. Contre dédommagement, s'il te plaît. Plus de travail que prévu. J'aimerais être payé pour ça. Bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir de te rémunérer. Merci beaucoup. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer. Arnaqueur de Gryffondor. Dans un méga tonneau de vin. Je l'ai pas vu. J'aimerais beaucoup voir. J'aimerais bien faire une capture d'écran de toutes les salles communes des gens. Je vais proposer ça aux gens, mais sûrement Discord. Il n'y a pas beaucoup qui jouent au jeu et qui sont actifs, donc bah, ils l'ont pas fait. T'as mon gratouille. Alors, est-ce qu'on n'arrêtera pas la VOD ici? Oui. 1h45, je vais l'arrêter. Des bisous VOD. À la prochaine.